Si toute notre connaissance débute avec l'expérience, cela ne prouve pas qu'elle dérive toute de l'expérience. Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, un philosophe allemand du XVIIIe siècle, parle ici de la relation entre l'expérience et la connaissance. Sa phrase signifie que bien que notre connaissance commence souvent par ce que nous vivons et percevons dans le monde, c'est-à-dire l'expérience, cela ne signifie pas que tout ce que nous savons provient uniquement de ces expériences. Kant fait une distinction entre deux types de connaissances. 1. Connaissances a priori. Ce sont des connaissances qui existent indépendamment de l'expérience. Par exemple, les mathématiques et certaines vérités logiques, comme 2 plus 2 égale 4, ne nécessitent pas d'expérience directe pour être comprises. 2. Connaissances a posteriori. Ce sont des connaissances qui dépendent de l'expérience. Par exemple, connaître la couleur d'une voiture que l'on a vue nécessite une expérience directe. En résumé, Kant affirme que, même si nous commençons à acquérir des connaissances par nos expériences, cela ne signifie pas que toutes nos connaissances proviennent uniquement de celles-ci. Il insiste sur le fait qu'il existe des idées et des concepts qui peuvent être compris sans avoir besoin d'une expérience préalable.